Bezrat Hashem Yitbarach, Shabbat Shalom à tous déjà. On va essayer de raconter une histoire magnifique tirée donc de Sipourim Umeshalim. C'est un livre qui a été compilé par des Breslev et qui recueille, entre guillemets, c'est un recueil de plein d'histoires de Rabbi Nachman de Breslev. Il y a beaucoup de renforcements dans la Avodat Hashem. Et une histoire qui est magnifique que j'ai adorée, donc j'ai dit ça vaut le coup, Baruch Hashem, de la diffuser. Donc l'histoire elle est comme ça. Il y avait deux personnes, donc deux amis, qui étaient des amis d'enfance, ils s'adoraient l'un et l'autre et tout. Et bon, avec le temps maintenant, ils ont commencé à grandir petit à petit, et l'un, il a commencé à faire une avéra. Donc son copain, il le voit. Maintenant, quand on voit une personne faire une avéra, qui transgresse quelque chose, nous on a une mitzvah de Kaf Zerhout. Kaf Zerhout, c'est quoi? Je fais une petite parenthèse pour comprendre. Kaf Zerhout, ça veut dire, entre guillemets, juger positivement l'autre. Ça veut dire quoi? Une personne, il fait une avéra, on doit se dire que soit il n'est pas conscient de l'avéra, parce que si Bémet, une personne, il est conscient d'une avéra, il la ferait jamais. Si on sait qu'une personne, il mange pas cachère, il perd 100 000 euros, la vérité, la personne réfléchirait deux fois avant de manger pas cachère, etc. Donc nous, on doit se dire, soit il connaît pas vraiment la gravité de la chose, deuxièmement, peut-être il la connaît, mais à moitié, donc il lui manque des détails, soit on sait pas vraiment nous ce qui s'est passé, ça se trouve, il manque des détails. Donc, on peut pas juger une personne strictement, donc on doit le juger positivement. C'est comme si on voit une personne Shabbat dans une voiture, on peut se dire, ah, le rachat, il va aller en boîte, ou alors on peut se dire, ah, le tzadik, il amène sa femme à l'hôpital. Donc il y a deux façons de voir la chose. C'est à nous d'essayer de voir positivement la chose. Et qu'est-ce qu'une personne gagne? Premièrement, donc, à Kadash Baruch Hu, du fait que nous, on juge positivement la personne, Hachem, dans son beddin, entre guillemets, dans son tribunal rabbinique qui est dans le ciel, il va juger positivement la personne, ce qui fait qu'elle ne va pas se faire déchirer complètement. Et Baruch Hachem, ça va lui atténuer beaucoup la peine. Et du fait que nous, on fait du bien à la personne, et qu'en plus de ça, on trouve des sruyotes. Alors du fait qu'Hachem il gère son monde de Mida, Keneged Mida, ça veut dire mesure pour mesure, nous aussi comme on monte à 120 ans, si on a des avérotes, alors Baruch Hachem, ils seront jugés avec Kaf Zerhout. On va même trouver des sruyotes, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 100% de la peine, on va avoir peut-être 5%. C'est magnifique Baruch Hachem. Donc qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Il voit son copain Fren Avera, on reprend l'histoire, et qu'est-ce qu'il fait? Il le juge avec Kaf Zerhout. Il se dit bon, il a fait ça parce que sûrement ça. L'histoire continue, ils commencent à grandir tous les deux. Et là, il va faire son copain faire une très très grave avéra. Et là, il se dit, c'est plus possible. Si je continue avec lui maintenant, il va commencer à partir dans le décor. Et va moi, comme c'est mon très bon copain, je l'adore, je vais vouloir aller avec lui dans le décor. Et au final, je vais perdre mon lama. Bref, il commence à réfléchir, à faire le pour le contre. Et il se dit, c'est mieux que je m'éloigne de lui. Donc il s'éloigne de lui. Mais c'était pas un tzadik, hein, c'était une personne normale. Bref, en parallèle, ses beaux-parents, maintenant cette personne-là, ils pouvaient plus, aux deux personnes, donc ils pouvaient plus entretenir parce qu'ils s'étaient mariés. Donc les deux se sont séparés, en plus de ça, ils sont partis travailler. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? Le riche, le rachat, entre guillemets, celui qui a fait l'avara, il devient riche. Et le pauvre, d'accord, entre guillemets, la personne normale, cachée, on va dire, il devient pauvre. Donc il y a un problème. Et là, le pauvre, il entend que le riche, c'est, qui était, entre guillemets, son ami, qui était celui qui a fait l'avara, il devient très très riche. Alors il a un peu le seum, quoi, il est un peu jaloux, donc il commence à se poser des questions sur Dieu, et je comprends pas, et pourquoi il est devenu riche, et c'est pas normal, et moi j'ai jamais fait d'avérot, où je fais beaucoup d'efforts, et lui il a ça, et moi j'ai ça, c'est pas normal, bref, il commence à se poser des questions sur Dieu. Petite parenthèse, poser des questions sur Dieu, ça ne sert à rien, parce que avec un esprit fini, d'accord, on est fini, Baruch Hashem, on ne peut pas comprendre l'infini, comme il disait le Rambam, donc ça sert à rien de se poser des questions sur Dieu, on n'aura pas de réponse, on peut essayer de chercher des réponses qui pourront, entre guillemets, nous calmer, nous assouvir nos doutes, etc. Mais c'est-à-dire, en vrai, c'est Dieu. Dieu ne se pose pas de questions. Tout ce qu'il dit, on dit Amen. Et c'est le mieux pour nous, d'ailleurs. Parce qu'une personne qui a commencé en Dieu à 200%, il réussira toute sa vie. Donc, cette personne-là commence à se poser des questions sur Dieu. Hachem lui a envoyé la réponse. Pourquoi? Cette personne, elle se baladait et elle entend plein de, entre guillemets, personnes en train de trier de l'argent. Ils triaient de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle est arrivée et elle leur dit, c'est à qui tout cet argent-là? Et il lui dit, touche pas à cet argent-là, c'est à sa telle et telle personne. En fait, ils disent le nom de son ami. Et il voit que son ami est devenu très très riche. Et lui, il est encore très très pauvre. Donc il devient fou. Et là, il commence à se poser encore plus de questions. Et se dit, mais c'est pas normal. Moi, je l'ai vu, il a fait des avérotes, etc. Il commence à parler sur lui et tout. Et là, tu lui dis quoi? Il lui dit, mais t'as pas compris. Il y a déjà une différence entre toi et ton ami. C'est que lui, effectivement, quand vous êtes séparés, il avait fait une avéra. Mais il a fait tchouva. Et il a pris sur lui d'être mécabel, c'est-à-dire il a pris sur lui à 200% que chaque jour il travaillerait, mais il fixera ton étude à Kadash Baruch Hu. D'un autre côté, toi maintenant tu n'étudies pas la Torah, c'est-à-dire tu vis ta vie comme un juif, tu fais ce que tu peux, d'accord, mais tu n'étudies pas la Torah. Maintenant il écrit dans la Gemara, dans Sota, page 21, un très beau truc. Il écrit que une avéra étant une mitzvah, c'est-à-dire qu'une personne qui fait une avéra, ça brûle des mitzvot,
Mais une personne qui fait des averot, ça brûle pas l'étude de la Torah. Sachant que l'étude de la Torah, c'est la plus grosse et la plus puissante de tous les mitzvot, comme c'est écrit Talmud Torah Kenged Kulam. Donc tu veux que lui, il étudie entre guillemets la Torah. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, c'est quoi le rapport maintenant entre l'étude de la Torah et le fait qu'il est devenu très riche alors qu'il a fait des averot, sachant qu'en général, quand une personne fait des averot, ça le rend pauvre. Comme on sait que l'histoire du Lashon Hara et plein encore d'histoires, comme nous dit le Chafetz Chaim, Zechuto Yegen Aleinu. Il explique Rabbi Nachman un très beau truc. On prend les initiales du mot Ve'en Avera Mechabe Torah, ça veut dire et la Avera n'éteint pas la Torah, c'est-à-dire ça éteint les mitzvot mais ça n'éteint pas la Torah, c'est les initiales du mot Maot. Maot, c'est l'argent. Oh, Hashem. Comme cette personne-là, il étudie la Torah, donc Akadosh Baruch Hu, même cette personne-là, elle a fait d'Averot, Hashem, il lui a dit, ça ne touchera pas ton gain de pain et tu auras de l'argent. Comme tu as fixé un temps d'étude et tu as voulu maintenant t'en renforcer, un temps d'étude, c'est pas si t'aimes étudier pour étudier, c'est étudier pour se renforcer, pour se rapprocher d'Akadash Baruch Hu, et c'est devenir mieux quoi, faire ce qu'on peut chacun à son niveau. Alors tu prends ça par jour, alors Akadash Baruch Hu il te dit, bon toi tu fais des efforts, moi aussi je fais des efforts, et Akadash Baruch Hu l'a rendu riche, et l'autre il a commencé à fixer encore plus de temps d'étude et il devient encore plus riche. Une personne il doit avoir ça en tête, toujours, que En Avera Mechabe Torah, le fait d'étudier la Torah, toute la vérité du monde c'est un rapport à étudier la Torah, sauf une seule Lashon Hara. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la Lashon Hara, comme dit le Chafetz Chaim. Tout ce qu'on étudie, on peut le perdre à cause de la Lashon Hara. Celui qui fait attention à sa langue, même si parfois c'est l'heure de faire de la verot, il fait tchouva et tout, ça ne touchera rien son gagne-pain, ça ne touchera rien son lamaba, il fait tchouva, tout sera transformé en sruyot. Comme dit la Gemara, et le Rambam il le ramène en halakha, qu'une personne, s'il a fait de la verot et qu'il veut faire une vraie tchouva, et qu'il fait une vraie tchouva be'ava, c'est-à-dire avec amour, il dit comment j'ai pu faire ça, c'est à Kadosh Baruch Hu, il est vraiment triste, il regrette et tout. Non seulement il pardonne toute sa verot, mais on lui transforme en mérite. C'est-à-dire que c'est considéré comme des mitzvot. C'est un truc de malade. Baruch Hashem, donc Akadash Baruch Hu nous aide à pouvoir le servir. Tovlev, Betumlev, aussi Betumleva, Bezrat Hashem, qu'on puisse venir des Tzadjikim. Chacun à nouveau, essayez de fixer ton étude. Moi, je vous donne un très très bon conseil que chacun il peut faire par jour. Quand la tefila est finie, essayez, c'était Rav Ben Simon et Rav Manuel Ben Simon. Il m'avait donné un conseil, il m'avait dit, Baruch Hashem, essayez de le faire plus ou moins. C'est chaque, après chaque tefila, donc de Shacharit, donc chaque matin, 5 minutes d'étude fixe. Dès la chot, prenez la kouchosef, vous faites, vous êtes rat, ça vous allez vite. Vous êtes dès la chot. Mais chaque jour en 5 minutes, on peut finir des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres en des mois et des années. On peut finir énormément de livres. En Yalkut Yosef, il y a environ 300 à la chot. Par jour, vous en faites 3 ou 4. Alors en 100 jours, même pas, c'est en 3 mois, vous finissez un Yalkut Yosef. En une année, avec 5 minutes par jour, vous finissez 4 Yalkut Yosef. Maintenant, ça c'est en une année avec 5 minutes. En général, on ne fait pas 5 minutes, on tarde sur 6, 7, 8, 10 des fois. Ça vous fait finir tout le Yalkut Yosef en 10 minutes par jour. En 10 minutes par jour, en quelques années, vous pouvez finir tout le Yalkut Yosef. C'est énorme, vous êtes un génie en halakha avec 10 minutes par jour. Je ne parle pas encore si vous fixez des heures. Là, c'est des livres entiers. Et même le chasse qu'on peut finir, Baruch Hashem. C'est une personne d'ailleurs, il fait le Daf Hayomi, ça prend une heure environ par jour. Il finit tout le chasse en 7 ans. C'est pas énorme, 7 ans, hein. Ça passe très vite, 7 ans. Donc Hashem nous aide à finir ce qu'on peut, ce qu'on doit finir en tout cas, mais l'essentiel c'est de faire comme le Rabbi de Babetiti, de se dépasser, de faire ce qu'on, toujours au-dessus de ce qu'on peut faire. Pourquoi ? Parce qu'une personne en vrai ne connaît pas vraiment son potentiel. Comme elle connaît son potentiel quand elle s'est dépassée, et elle sait c'est quoi vraiment sa limite. Mais comme on ne connaît pas encore notre mille limites, et qu'Akadash Baruch Hu il a mis une Neshama, c'est-à-dire une âme juive, qui a un potentiel extraordinaire et immense, donc on se dépasse, et après on sait vraiment ce qu'est notre limite. Mais jusqu'à qu'on arrive à la limite, croyez-moi qu'on peut se dépasser. Les histoires de Sadjikim qui le prouvent, ça en manque pas, Baruch Hashem. Donc Hashem nous aide à arriver à leur niveau. Voilà, je souhaite un Shabbat Shalom. Essayez de raconter cette histoire, ça donne beaucoup de renforcement, surtout pour ceux qui sont attirés par la Parnassa, Baruch Hashem. Parce que c'est pour savoir, qu'il faut savoir, c'est très très important de savoir. Quand on parle de la richesse, ça a toujours l'aspect négatif qu'on peut faire du mal. C'est vrai que la richesse en général, quand une personne il est riche, il est obligatoirement attiré vers le mal, à vouloir se détendre, à vouloir être détente, à vouloir oublier Dieu. C'est vrai, mais aussi il y a l'autre côté qui est aussi valable, c'est qu'une personne quand elle a beaucoup d'argent, il peut faire beaucoup, beaucoup de mitzvot. Il peut, Baruch Hashem, donner énormément de tzedaka. Il peut nourrir ses enfants, nourrir sa famille, acheter une très belle maison, acheter une très belle table et de la très 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 bonne bouffe, on va dire, du très bon manger, on va dire, c'est encore mieux. Faire des tables de roi, quoi, recevoir des gens, faire un asatorim, acheter des très beaux bijoux à sa femme, c'est une mitzvah d'acheter avant les fêtes, acheter à manger pour ses enfants, faire des brachot, acheter des fleurs, lire votre Shabbat et lire votre Lechag. Il peut faire 1 milliard de mitzvot, acheter des beaux habits, faire Kiddush Hashem. Chacun peut faire des mitzvot avec l'argent. Donc l'argent, c'est vrai que c'est un côté aussi négatif, c'est un côté positif, ça dépend comment on l'utilise. Donc, il faut savoir que les gens, ils sont beaucoup attirés quand on leur parle d'argent, etc. Donc raconter cette histoire-là, ça pourrait le renforcer. Et si chacun fixe une étude de la Torah, bisroute la personne qui l'aura raconté, alors à chaque fois qu'il y a de l'irade à la chot, ça ira, bisroute la personne qui l'aura raconté, elle aura tout gagné.
qu'Hachem nous aide à faire ça. Shabbat, shalom, au revoir, des très très bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hachem.